Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier. Le sujet de cette vidéo est pour répondre à la question suivante. Est-il possible de faire une extension de votre ESTA si vous êtes physiquement aux États-Unis durant la période de COVID-19? La réponse est oui. Vous pouvez faire la demande d'une extension de 30 jours. Pour faire cette demande, vous devez vous rendre en personne à un aéroport principal comme celle de Miami, de JFK à New York ou de Chicago. Vous devez apporter les documents qui sont affichés sur l'écran. Maintenant, l'excuse de dire qu'il n'y a pas de vol qui quitte les États-Unis n'est pas valide. Tous les 3 jours, il existe des vols pour quitter les États-Unis, même si ce n'est pas un vol direct. Alors, cette excuse n'a pas été acceptée par le CBP. Une raison valide serait, par exemple, si vous étiez dans un lit d'hôpital et que vous êtes très malade et vous ne pouvez pas quitter les États-Unis. Alors, n'oubliez pas, n'allez pas au CBP pour dire qu'il n'y a pas de vol ou que votre vol est annulé parce que ce n'est pas une raison qui a été acceptée dernièrement. Si vous voulez essayer, vous pouvez bien sûr le faire. Et c'est toujours à la discrétion du CBP ou Deferred Inspection qui vous donnera la réponse. Alors, soyez prudent parce que si vous dépassez votre ESTA, vous allez tomber illégal. Si vous tombez illégal, vous êtes sujet à la déportation. Et dépendamment du nombre de jours où vous êtes illégal aux États-Unis, vous pourriez avoir un bar des États-Unis où vous n'êtes plus en mesure de revenir, sans permission spéciale de retour. Soyez vigilant. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devriez faire ou si vous avez des questions par rapport à la raison de faire cette demande d'extension, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes tous ici au bureau. L'équipe est opérationnelle. Vous pouvez me renvoyer un email, nous contacter par le biais des réseaux sociaux. Alors, si vous n'êtes pas certain, encore une fois, est-ce qu'il est possible d'aller au CBP? Contactez-nous et nous serons en mesure de vous aider à répondre à cette question. À très bientôt.